Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Et si ensemble nous prenions comme exemple de vie de prière l'exemple de Daniel. Il nous est dit au chapitre 6, au verset 11 du livre de Daniel, que les fenêtres de Daniel, les fenêtres de sa chambre ou de son appartement, était tourné en direction de Jérusalem, et trois fois par jour, Daniel se mettait à genoux et il priait son Dieu. Il priait avec une prière d'intercession, il élevait une prière d'intercession et une prière de louange en présence de son Dieu, comme il l'avait toujours fait. Daniel priait. Ici spécifiquement, on nous parle de la prière d'intercession et la prière de louange. La prière d'intercession, c'est prier pour les autres, tout simplement. Nous prions pour les autres. Nous ne pensons pas à nous-mêmes, nous pensons aux autres. Nous intercédons. La prière de louange, c'est l'exemple que nous avons ici en lieu et place du psaume comme deuxième lecture en ce jour du mercredi 24 mars 2021. Et c'est une prière de louange de Daniel. Daniel dit, Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères, à toi louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire, à toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire, à toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne, à toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes, à toi louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des kéroubim, à toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel, à toi louange et gloire éternellement. C'est la prière de Daniel, prière de louange. Es-tu capable comme Daniel? Serions-nous capables, malgré les vicissitudes de nos vies, malgré les épreuves, malgré les souffrances, d'élever une prière de louange? Il est dit que Daniel l'avait toujours fait, c'était devenu une habitude. Alors je suis certain que même dans les mauvais moments, dans les temps d'épreuves, dans les temps difficiles, dans les temps de souffrance par lesquels Daniel passait, Daniel trouvait la force de prier. Il restait fidèle. Il pouvait être fidèle à son Dieu parce qu'il était fidèle dans la prière. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, vous le serez aussi dans les grandes, nous disent les Saintes Écritures. Daniel avait développé une habitude de prière. C'est pourquoi il pouvait bénir Dieu, une prière de louange, une prière d'intercession, et il pouvait prier en tout temps. Comme Jésus nous le dit, prier sans cesse, prier en tout temps. Jésus était un homme de prière. Alors, bien-aimés frères et sœurs, la prière de louange, elle porte une puissance parce que c'est une prière adressée à Dieu, notre Dieu à qui rien n'est impossible. Certains sont plus familiers, ont plus d'affinité, ont plus de facilité à élever des prières de louange, des prières d'adoration, des prières de contemplation, des prières d'oraison ou même des prières de méditation. La méditation peut devenir une méditation priante, c'est ce qui est la lectio divina. Peu importe le style ou la forme que prend ta prière, mais deviens un homme, une femme de prière, à l'exemple de Daniel, afin que le péché s'éloigne de toi, afin que tu trouves la force, tu reçoives dans la prière la force, les vertus théologales, les vertus cardinales. Les vertus théologales que sont la foi, l'amour, l'espérance, les vertus cardinales que sont la force, la justice, la prudence, la tempérance, que tu reçoives tout ce dont tu as besoin pour surmonter le péché qui cherche à te dominer, Satan qui veut détruire ta vie. Prie, prie, prie et prie plusieurs fois par jour comme Daniel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.